moment important, une première étape de notre expédition. L'arrivée à Daitou, une base américaine anti-radar qui a été construite pendant la guerre froide et qui a été abandonnée dans les années 80-85. Donc aujourd'hui, effectivement, une première étape de notre aventure de l'intérieur. Après 11 jours sur les skis, près de 200 km effectués, on arrive vers cet endroit irréel qu'on aperçoit depuis 25 km déjà. Et franchement, vous faire vivre ça, c'est beaucoup d'émotions. Ça peut paraître pas grand chose, mais j'ai le frisson. Voilà, ça fait 11 jours qu'on est là au milieu, dans le blanc immaculé, toujours le même relief, autant dire pas de relief, si ce n'est les Straturvis, sorte de congère à passer, et on avance, sous le soleil, sous le vent, sous la neige, sous la tempête, vent face, direction plein est, et là, on aperçoit vraiment quelque chose de dingue. C'est difficile à décrire, même si effectivement ça peut paraître pas grand chose. Voilà une première étape, on arrive à peu près à 30% de l'expédition. Il doit nous rester sensiblement 400 km à faire, et donc le plus dur est à venir, mais il faut rester focus sur l'objectif, et dans des milieux comme ceci, il faut pas penser à l'objectif final. Si tu penses au blanc, au temps qu'il te reste à couvrir, tu t'épuises moralement et puis tu craques. Il faut que ta pensée puisse aller vers des belles choses, les gens que tu aimes, les gens avec qui tu partages ta vie, les gens qui t'apprécient, ceux qui te motivent. Voilà ce qui fait notre quotidien ici. Le milieu est vraiment particulier. C'est un peu comme en haute altitude. Certains alpinistes ont cru avoir non pas des hallucinations, mais des visions. En pensant être suivi par ce qu'on appelle le troisième homme. La vision de quelqu'un qui vous suit, même qui vous parle. Et bien ici, dans des milieux comme ça, c'est pareil. Ce matin, les bruits, le bruit de la pulka qui craquait. Et en fait, mon cerveau pensait à un hélicoptère. Et plusieurs fois, j'ai regardé au-dessus de ma tête. Je pensais qu'on était suivi par un hélicoptère. Donc dans ce cas-là, en fait, il faut débrancher le cerveau, partir sur une autre pensée. Et puis, voilà, le temps passe. On est dans un monde particulier. On a un peu l'impression d'être des petites bêtes qui courent le long de la colonne vertébrale d'un gros mastodonte, et on sait très bien qu'au moindre mouvement il pourrait nous envoyer valdinguer, parce que la nature est toujours la plus forte, et qu'il faut pas oublier que nous ne sommes juste tolérés, et ça, c'est elle qui gouverne. Donc on accepte, comme les prévisions météo. Vendredi, on nous annonce une tempête, peut-être des vents de l'ordre de 90 km/h. Donc il va falloir se préparer. Demain, une bonne journée sur les skis. Et puis, préparer un camp correctement. Faire des murs pour se protéger, pour anticiper, avec beaucoup de rigueur. De façon à être serein sous la tente. C'est jamais anodin.
se retrouver sous une tente. Quand le vent rafale, vous entendez le bruit des rafales qui claquent contre la tente et que vous voyez les arceaux et le toit se disloquer et se rapprocher de votre visage. Faut être prêt à le vivre, faut être serein. Si t'es pas serein, c'est que t'as pas fait le boulot comme il faut et que là, ça peut être compliqué. Effectivement, une tente qui se déchire, une tente qui s'envole. Et là, t'es au milieu de nulle part, t'as plus rien, et ça peut être très compliqué. Content de rejoindre mes amis. Une autre expédition arrive aussi. Ils sont partis un jour avant nous. Une expédition norvégienne de 7 personnes. Et on doit les rejoindre ici normalement d'ici quelques heures. En tout cas, voilà. C'est des corps de film irréel. Welcome to Daitou. Congrats, my friend. Encore quelques mètres et on y arrive. On n'aura plus rien jusqu'au petit moment, je fais des marathons, comme jamais. Et ouais. Quand je vous disais qu'on a des visions, je pense que c'est Pierre qui devient fou. Voilà mon ami José. Welcome to Daitou, José. Jour 18 dans cette aventure de l'intérieur. Donc on est toujours en course sur la traversée du Groenland. Au moment, le niveau physique va très bien. Le moral est bon. L'équipe va bien, tout va bien. La progression a été un peu ralentie. Avant-hier, on dirait que le temps change vite. Avant-hier, on était bloqué par une tempête avec des vents à plus de 100 km/h. Nous ont coincé sous la tente. Hier ça s'est arrangé, on a pu skier. Au moment du coucher, il devait faire moins 27. Ça veut dire que cette nuit, le thermomètre a dû descendre allègrement en dessous des moins 30. Et aujourd'hui, temps magnifique, chaud, 14 degrés. Ciel bleu, pas de vent pour l'instant. C'est vraiment agréable de skier dans cette neige immaculée.
vraiment des moments méditatifs où à chaque instant on peut laisser partir sa pensée et c'est vraiment quelque chose de bon. D'autant plus qu'ici il n'y a pas de relief, tout est blanc, tout est toujours blanc, à part la neige qui est changeante. Ce qui est marrant, c'est que chez les Groenlandais, ils ont peut-être 50-60 noms pour désigner la neige. Alors que nous, on connaît la neige mouillée, on connaît la neige fraîche, la neige gelée. Mais eux, c'est leur élément. Donc, ils sont obligés d'être très précis sur les conditions de nivologie. Voilà, j'ai retrouvé des copains. J'avais pris un peu de recul. Et puis là, je pense que derrière, on va percevoir Pierre qui revient tranquillement. Voilà. À plus tard.